Windows XP, c'était vraiment un système de notre enfance pour beaucoup de personnes, y compris moi. Eh ben, avant j'avais un PC Windows XP avec un Athlon 64, avec 1 Go de mémoire et demi, je pense. Eh ben, vous savez quoi? Je vous propose de refaire ce PC entre guillemets en faisant un qui a à peu près la même config et en même temps, ça sera la première vidéo où j'assemble un PC. Et elle va être dédiée au gaming. C'est parti, on commence la vidéo. Pour la carte mère, j'ai choisi une MSI MS7309 version 1.3 K9N6SGMV. J'ai choisi cette carte mère parce qu'elle a plein de fonctionnalités. Par exemple, un port PCI Express 1X, un port PCI Express 16, deux ports PCI, deux ports SATA, un port IDE. Un port disquette, etc., etc., etc. Et en plus, c'est un socket AM2, donc c'est assez rapide. Pour le processeur, j'ai choisi le AMD Athlon 64 4000+ à 2,6 GHz version socket AM2. Je sais que c'est pas le processeur le plus puissant que cette carte mère supporte, mais c'était fourni avec le kit carte mère et d'autres composants avec. Ça sera super pour les jeux rétro fonctionnant sur Windows XP. Donc moi je dis que ça fera l'affaire parce qu'en plus j'avais un 3200 plus moins puissant que ça et en plus ça fonctionne déjà très bien, là ça fonctionnera super bien. Je vais aussi utiliser deux barrettes de mémoire DDR2 800 qui sont aussi fournies avec ce kit de carte mère et d'autres composants que vous allez voir juste après. Je suis pas sûr s'ils fonctionnent parce que j'ai déjà eu des barrettes comme ça qui soi-disant fonctionnaient puis après ne fonctionnaient pas. On va voir si elles fonctionnent juste après. Mais c'est de la DDR2 800 donc ça doit être la mémoire rapide pour l'époque. Et pour refroidir le CPU, je vais utiliser ce ventirad fourni avec le kit, le Alpine 64 GT. Je ne connaissais pas du tout l'existence d'une marque comme ça ou d'un modèle comme ça pour le ventirad, mais on va le tester, voir s'il est de bonne qualité et s'il refroidit bien notre CPU. On va mettre les composants un par un en commençant par le CPU, mais vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu parce que même si j'enfonce le CPU dans le bon sens du socket, regardez par vous-même ce qui se passe. En fait, ce sont les pins à l'arrière du CPU qui ont été tordus. Par contre, les pins du milieu à peu près ont été tordus. Je sais pas comment ça a été fait, mais il faut juste utiliser un couteau pour le redresser. Et il faut faire très attention, il faut être très précis. Il faut avoir de la précision pour faire cette tâche. Après tous les pins redressés, on peut enfin appliquer notre pâte thermique Arctic MX4 sur le CPU pour bien le refroidir. On va maintenant mettre la RAM, mais je vais pour l'instant mettre qu'une seule barrette d'un giga. Après avoir installé Windows XP, je vais mettre la deuxième barrette parce qu'avoir trop de RAM pendant l'installation, ça peut faire des erreurs pendant l'installation. Moi, ça m'est déjà arrivé. En tant que carte graphique, je vais utiliser cette ATI Radeon X1600 Pro avec 256 MO de mémoire vidéo. Vous allez me dire pourquoi j'utilise une carte graphique assez vieille. Et ben en même temps, c'est un PC qui est assez vieux. Et c'est aussi la carte graphique que j'ai enlevée du tout premier PC qui maintenant ne marche plus. La carte graphique, elle marche, hein. Elle est très très bonne pour les jeux rétro sur Windows XP. Il y a aussi une carte graphique ATI Radeon HD 3450 PCI Express fournie avec le kit. Mais je vais pas l'utiliser maintenant parce que cette carte utilise un port DMS59 et moi j'ai que du VGA et du HDMI sur mon écran. Donc on va le garder pour plus tard cette carte et on verra si elle fonctionne. Pour le PSU, j'ai choisi celui-là, un Advance 480 watts. En plus, il est tout neuf. C'est une bonne nouvelle parce que les alimentations neuves, elles sont plus fiables que les alimentations déjà utilisées auparavant. Ce qui signifie normalement, même si c'est Advance, il n'y aura pas trop de soucis. En plus, il y a beaucoup de puissance sur cet alim pour faire fonctionner ce système. Ça suffit largement. J'ai aussi pris ce ventilateur random que j'ai trouvé chez moi, qui traînait depuis des années, parce que sinon l'ordi il va être chaud, il va brûler, il va exploser, il va brûler toute la maison. Non, j'exagère. C'est juste pour bien le refroidir, pour pas qu'il soit trop chaud. Et bien sûr, je vais tester la carte mère, voir si elle s'allume correctement. Allumons le PC avec un tournevis et voir si la carte mère poste. J'ai entendu le bip du poste, et après quand elle s'est allumée, je me suis dit... Yeah, it booted, yes! Finally! Pour le boîtier, j'ai choisi ce boîtier Cooler Master que j'ai remplacé avec un autre boîtier pour mon PC Acer
Mais pour ce PC, on va utiliser ce même boîtier couleur master. Je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble et comment c'est propre et comment on va monter le PC. Donc j'ai mis la carte mère dans le boîtier avec son ventirad et sa RAM. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est propre, n'est-ce pas? Si vous vous sentez perdu pourquoi la RAM n'est pas la même que celle que vous avez vue au début, c'est parce que la RAM que j'avais reçue avec le kit, elle ne fonctionnait pas avec cette carte mère. J'ai juste pris une autre barrette de RAM DDR2 que j'avais chez moi qui traînait. Et celle-là, elle fonctionne. C'est celle que j'ai utilisée pour tester si la carte mère, elle bipait. On va commencer à mettre les composants dans la boîtier sur la carte mère en commençant par le GPU. Pour le stockage, je vais utiliser ce disque dur Western Digital Blue, 160Go. 160Go, ça va largement suffire pour les jeux tournant sous Windows XP. En plus, c'est un Western Digital Blue et les Blues sont assez rapides pour XP, donc oui, ça fera l'affaire. Pour les derniers composants de cette build, je vais juste choisir ces lecteurs DVD avec un câble IDE. J'ai choisi des lecteurs IDE parce que j'utilise que le SATA pour le disque dur et en plus j'ai pas beaucoup de câbles SATA, donc je préfère utiliser des lecteurs IDE. Même si la performance sera pas super rapide, l'ordi il est assez vieux, donc faut pas s'attendre à un truc de ouf. Et voici la build complètement assemblée. Alors j'ai mis tous les composants, lecteur DVD, disque dur, c'était le plus dur à mettre parce qu'il fallait le mettre avant de mettre le ventirad, parce que le ventirad empêche ou plutôt complique de mettre un disque dur ou un SSD dans le slot disque dur de ce boîtier et dans d'autres boîtiers similaires. Donc la chose qui reste maintenant, c'est installer Windows, et j'ai choisi Windows XP Professional Service Pack 3 de 2008, et profitez-en de ce timelapse de plusieurs minutes de l'installation. Voilà, Windows a enfin été installé. Les drivers et les jeux, j'ai bien sûr installé hors caméra parce que ça a pris des années, mais des années à les faire. J'exagère, ça a quand même pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je les ai fait hors caméra. Maintenant, il ne reste plus qu'à les tester les jeux et voyons voir si ça fonctionne. Je mets le titre en bas à droite et en même temps les détails et la résolution que j'ai utilisé pour tester le jeu en caméra. Profitez bien des benchmarks. Some good news. I'm picking you up much more strongly now. I suggest you search the huts for weapons and equipment.
Stay low and avoid contact if possible. You don't feel so good. Stand still so I can smear you, wall crawler!
Yeah, Rhino. Think fast. I heard you kill it, bro. I'm gonna clobber you for that, punk. Just keep talking, chump. Heads up, incoming. Can't we all just get along? Mix. Orb. Thank you.
play. First blood.
Et voilà, les benchmarks pour les jeux sont terminés. La majorité tourne super bien. Certains, comme par exemple Need for Speed Carbon, ils ont un peu mal tourné. Je crois que c'est à cause de la carte graphique qui est un petit peu pourrie, vous voyez. La vitesse d'horloge de la carte graphique et en plus de la mémoire, donc les 256 mémoires à l'intérieur, c'est assez lent pour l'époque. Donc je pense que c'est pour ça que certains jeux de cette période ont un petit peu lagué. C'est pas bien grave parce que c'était quand même assez jouable avec les paramètres en faible. Au final, je suis super fier de moi et des performances de cette machine. Je vais la garder pendant longtemps et d'autres ordinateurs à assembler et à les revendre plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Abonnez-vous, lâchez des likes, commentez, partagez la vidéo car cette vidéo m'a pris au moins 2 ou 3 jours à faire le montage et filmer, etc. Je vous souhaite de bons moments. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.